D'un professeur britannique qui s'appelle Robin Dunbar. Ah oui. Et Robin Dunbar a publié une... Dunbar. Moi j'ai fait quoi, la première
première fois il fait un effort, la deuxième fois il se la démarre. Robin Dunbar. Comment? J'arrive même pas à l'écrire quand il le dit en fait. Robin Dunbar ou Dunbar, comme vous voulez. Alors il a publié une étude franchement qui n'est pas non plus une grosse surprise, en tout cas les révélations de cette étude. Mais voilà, il tient à nous dire que d'après son étude, dès que vous êtes à nouveau amoureux, que vous avez un nouvel amour, qu'est-ce qui se passe? Ah, on laisse tomber ses potes. C'est-à-dire combien? Combien, deux amis. On perd deux amis. Un nouvel amour, deux amis en moins. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors ça, je vais vous demander à chacun si c'est vrai. Je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il a un bon attaché de presse, ce mec. Parce que vraiment, c'est une banalité. Des calculs très savants, on fait comprendre, que si t'es amoureux, tu laisses tes potes, et c'est tout. Enfin, je sais pas, c'est certaines peuplades. Mais enfin, je veux dire, de dire qu'après des calculs très savants, il est arrivé à savoir un amour égale deux amis en moins. Mais il a enquêté sur 428 femmes et 112 hommes âgés de 18 à